Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer la nouvelle tout en boîte. Cette tout en boîte concerne cet très gros album. Voilà, qui présente une tranche de 8 cm de large, donc qui est vraiment gros comme un dictionnaire. Voilà, un très très gros album. Alors que j'ai prévu pour pouvoir réaliser un agenda. Donc soit septembre à septembre, soit janvier à décembre, comme vous voulez. En tout cas, voilà, il est prévu pour pouvoir faire un agenda de maison où vous allez pouvoir ranger tout ce que vous avez à conserver, enfin, tout ce qui est formel, obligatoire, des tickets, des prises de rendez-vous, des ordonnances, des papiers, enfin, des choses à envoyer, toute l'organisation administrative, on dira, de la maison, et qui vous permettra aussi de garder des souvenirs, des photos, voilà, de faire un peu rétrospective en même temps, journal de bord. Dans cet album, vous pourrez avoir tout sous la main tout le temps. Alors, je l'ai prévu comme un agenda. Je vous rappelle que les tout en boîte, contrairement aux box du mois, les tout en boîte, elles, sont axées sur un projet. C'est-à-dire que je vous décris de façon détaillée ce projet. Je vous l'explique sous la forme d'un tuto au format PDF que je vous envoie si vous achetez cette tout en boîte. Et accompagné d'une vidéo technique qui, cette fois, va durer assez longtemps, certainement près d'une heure et demie. Je n'ai pas fini le montage, mais elle est longue. Et donc, vous allez avoir dans votre tout en boîte ce qu'il faut pour réaliser ce projet. Pas autre chose. Il n'y aura pas de reste. Alors que les box, elles, vous recevez de la marchandise et vous faites des choses avec jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Mais ça, le principe est bien différent. Donc, pour cette tout en boîte agenda, je précise quand même dès le début qu'évidemment, je le conçois comme un agenda, d'accord. Donc, il y a 12 mois, il y a 6 compartiments pour 2 mois par compartiment, mais on peut très bien le prévoir comme un album de grossesse, de préparation de naissance, un album de naissance, un album qui pourrait couvrir la première année d'un bébé. Voilà. Donc cet album peut servir à d'autres choses qu'un agenda sans changer du tout la construction, juste en changeant le décor, enfin, les inscriptions. Alors on y va, je veux vous présenter cet album qui me tient vraiment à cœur. Je l'ai fait comme pour moi, en fait, comme c'était pour moi, je le garderai à la maison et je l'ai fait pratique pour ce que j'ai à garder. Je suis une maman, hein, comme beaucoup d'entre vous, j'ai 2 enfants, un mari, il faut que j'organise tout pour tout le monde. Donc je pense que cet agenda va me permettre d'y arriver sans rien oublier et sans rien perdre. Et même en gardant en mémoire les meilleurs moments de l'année, les photos, etc. Alors on y va, je l'ouvre. Sur la couverture, rien d'exceptionnel, vous allez voir que la collection de papier que j'ai choisi est tellement belle que finalement, il y a assez peu de travail à faire parce que le papier fait tout seul, quoi. Ici, sur cette couverture, j'ai simplement ajouté ici des chipboards de la collection Somewhere in Time. Hein. Donc la collection que j'utilise ici, c'est Somewhere in Time par Bobony. Donc nous avons du papier, des attaches parisiennes, des boutons et chipboards, des gros chipboards et des découpes de papier pour aller avec cette tout en boîte. Donc je vous présente mon album et à la fin, je vous présente ce que je mets dans la tout en boîte. Voilà. Allez, on y va pour l'album. Donc d'abord, on l'ouvre avec un élastique parce qu'il faut que ce soit pratique. On va être amené à l'ouvrir souvent. Donc il faut que ce soit simple à ouvrir. On y va, on l'ouvre. Alors, ici, avant même de commencer le premier mois, j'ai prévu le mien de septembre à août. Vous avez des pages pochettes. Alors ces pages pochettes vous permettront de stocker des choses qui ne sont pas pour un mois précis, mais dont on a besoin toute l'année. Donc ici vous avez une longue pochette comme ceci, donc qui s'arrête là. Voilà. Vous avez ici un petit papier mais qui est collé mais pas complètement, qui permet quand même de glisser si on a un petit pense-bête, une carte de visite, quelque chose qu'on veut garder sous la main. Donc les pages pochettes, voilà, sont prévues comme ceci. Donc 2 grandes pochettes sur la première, une grande et 2 moyennes sur la deuxième. Ici, 4 petites et une grande sur la zone du milieu. Donc ici, j'ai utilisé le tampon à poids d'ailleurs que nous avions dans notre box d'août, hein, pour celles qui l'ont eu avant qu'il n'y en ait plus. Donc vous voyez, voilà, nos pochettes sont vraiment prévues. Bien installé, avec de la place, avec des ouvertures faciles pour qu'on puisse vraiment rentrer facilement sans se tracasser. Ici, j'ai décoré avec une jolie découpe de papier de la collection des Noteworthy. C'était très joli.
Voilà, donc pour cette page pochette, alors je vous confirme que c'est prévu pour avoir plein de documents à l'intérieur, c'est-à-dire que vos pages ici vont fermer quoi qu'il arrive parce qu'il y a des pinces d'aisance. Donc ici, même s'il y a beaucoup de choses dans les pochettes, grâce aux réserves, eh bien il n'y a pas de souci, ça fermera toujours. Et comme j'ai prévu suffisamment d'espace aussi ici sur ma reliure, j'ai pas non plus de problème, j'ai de la place avant la première page de mon premier mois. Voilà. Donc tout est conçu, c'est un gros album et c'est conçu pour être bien rempli. Vous n'allez pas être à l'étroit là-dedans. Ici, je vous montre, je vous détaille vraiment le fonctionnement pour un mois et ensuite je m'attarderai vraiment plutôt sur la décoration que sur ce qui sert vraiment. Alors voilà. Ici, vous avez donc une première pochette qui contient 2 mois, donc septembre et octobre. On prend septembre, il y a un aimant qui nous permet de tenir fermés nos volets. Donc septembre. Nous avons ici notre agenda. Dans la tout en boîte définitive, l'agenda est vraiment orienté façon portrait pour que vous puissiez le voir dans le bon sens, sans tordre la tête. Donc là encore, spéciale dédicace à mon mari, il m'a dit que ce serait plus simple comme ça. Alors pour une fois, je l'ai écouté. On verra ce que vous en pensez. Mais j'ai vraiment mis le calendrier dans le bon sens. Donc dans votre tout en boîte, vous aurez les planches imprimées, à imprimer. Pour avoir vos calendriers, ils seront déjà. Moi, j'ai prévu les documents, vous n'avez plus qu'à imprimer. Ici, dans votre tout en boîte, vous aurez le tampon qui vous permet d'inscrire les mois et l'année ou le jour. Il y a donc les 10 chiffres, les 12 mois. Et il y a une roue ici qui présente 2 cercles. Le premier cercle avec les jours, les numéros les nombres des jours de 1 à 31. Et le deuxième cercle présente des années, donc de 2000 jusqu'à 2019. Donc vous pouvez entourer l'année qui nous correspond. Vous pouvez aussi, grâce à ce tampon, enfin, dater des photos dans d'autres projets, des choses. Enfin voilà, c'est un tampon, un format tampon qu'on peut réutiliser très facilement, un petit peu partout, avec un style un petit peu moderne. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenu donc à inclure le tampon dans votre tout en boîte, parce que vous verrez, il est bien conçu. C'est un tampon Bobony également, donc il va avec la collection. Et voilà. Vous aurez besoin de ce tampon certainement régulièrement. Quand je mets les tampons dans les tout en boîte, c'est que vraiment ça correspond à du matériel de base. Ici, donc pour chaque mois, nous aurons 2 pages. Voilà. Donc dans la première page, nous avons une bande ici qui nous permet de coincer des documents. Donc ce n'est pas vraiment une pochette, c'est plutôt voilà, quelque chose qui nous permet de glisser, de coincer. Vous avez ici par contre une pochette. Quand vous tournez, vous avez de l'autre côté le même genre de glissière, hop, comme ceci. Et vous avez également une pochette. Voilà. De cette façon, vous pouvez ranger tous les documents que vous avez besoin de ranger. Et en ce qui concerne les petites fiches que j'ai mis ici, truc à faire absolument, évidemment. Les 4 feuilles semaine. Puisque par mois, et en général il y a 4 semaines, ici j'ai décidé de les accrocher avec une attache parisienne, il suffit de les faire pivoter comme cela pour accéder. Donc vous n'avez qu'à remplir semaine du temps au temps, et puis à inscrire les rendez-vous que vous avez pour la semaine en face des jours correspondants. Donc ces planches sont également dans votre tuto format PDF, vous n'avez plus qu'à les imprimer. Et ici, on a anniversaire et fête, et de toute façon, dans votre document, vous aurez aussi invitation, menu, idées recettes, enfin, vous aurez d'autres idées de fiches à imprimer et vous pourrez panacher. Voilà, vous aurez le choix, vous pourrez imprimer ce dont vous pensez avoir besoin. Ici, j'ai décoré avec une découpe de papier de la collection, donc un chandelier. Hop. Ici, j'avais mis un joli chipboard, de la planche de chipboard, voilà. Celle-ci. Voilà, et sur votre page ici, vous avez également derrière un tampon souvenir inoubliable avec dans un cadre. Bon, j'ai rajouté ça, vous pourrez faire avec les tampons que vous avez à la maison. Ici, j'ai une petite bande de papier et ça peut servir de stop pour la photo. Vous n'êtes pas obligé de la coller, vous pouvez juste la glisser ici, la petite photo souvenir ou la photo de classe. Ou, voilà. Vous voyez quand même que le papier, sans beaucoup de travail, est vraiment magnifique. Donc j'ai rajouté un bouton. Alors tous les boutons qui sont placés à cet endroit-là font partie de la plaque de boutons ici. Donc j'ai utilisé les vrais boutons en plastique et les boutons en carton. Et toutes les décos là que j'ai coupées un petit peu partout, que j'ai collées un peu partout, viennent de la planche de découpe de papier, donc les Noteworks. Voilà.
Voilà pour septembre. Et avant de passer à octobre, vous pourrez noter ici que vraiment cet album est fait pour être utilisé. Il y a de la place. Puisque quand on a des papiers à ranger, des ordonnances, les papiers pour l'école, enfin des choses qu'il ne faut pas oublier, il faut bien pouvoir les poser quelque part, les ranger quelque part. Donc là, vous pouvez les mettre là, il y a de la place pour les stocker. C'est prévu pour. Donc octobre, vous avez de la même façon vos petites fiches qui tiennent. Alors on va s'attarder maintenant un petit peu plus sur ces magnifiques papiers qui sont présents donc dans cette collection Somewhere in Time. Voilà, ici, je n'ai pas travaillé dessus le papier. Et comme ça, moi, je me suis contentée pour toutes mes pages, tous mes papiers, d'ancrer les bords à l'encre vintage photo. Ça, c'est très important. Et donc, à mes yeux, en tout cas. Et donc, voilà, j'ai collé des petites découpes de papier. Ça, c'est une étiquette qui est sur les feuilles d'étiquette de la collection de papier. Ici, pochette. Alors là, j'ai présenté un petit peu différemment mon petit livret de semaine. C'est-à-dire que j'ai recto, verso. Semaine 3, semaine 4, et ici j'ai de la place. Hop, vous voyez, j'ai glissé un petit tag avec un petit onglet comme ça fait joli. Et ça permettra de coller une petite photo ou de mettre un pense-bête supplémentaire. Voilà. C'est vraiment, vraiment joli et c'est vraiment fait pour être utilisé. Alors, tiens, pendant qu'on est là, je profite pour vous montrer quand même qu'il est à plat, hein, il n'y a pas de problème. On n'est pas, l'album ne reste pas comme ça parce qu'il n'aurait pas été prévu assez large pour toutes ces pages. On est bien d'accord qu'il tient à plat. Voilà. Et donc toutes les techniques, hein, pour arriver à faire cet album correctement comme je vous le présente aujourd'hui seront expliquées dans votre tout en boîte si vous choisissez de l'acheter. Ici, vous avez donc un très beau papier. Alors, ce papier est un peu bizarre parce que quand on voit la feuille, on se dit, oh, il n'est pas terrible celui-ci, je m'en serais passé. Une fois qu'il est utilisé, il se met en valeur tout seul. J'ai pris quand même la précaution de le placer en face d'un papier qui rappelait les mêmes fleurs. Et franchement, du coup, il est très beau, un petit peu éclairci avec une étiquette, mais avec les couleurs qui se répètent. Un chipboard pailleté ici. Voilà, c'est vraiment joli. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, simplement sur la pochette avec un haut de page très clair. Un petit livret comme je vous ai montré précédemment. Une découpe de papier en haut, voilà, pour décorer un peu la page. Tout simplement. Et avec encore ce rappel de bleu ici qui est très doux. Voilà. Ces emplacements vous font des grands matages pour des photos, hein, tout simplement. Vous pouvez recoller des photos là-dessus. Écrire, coller tout ce que vous voulez de toute façon. Ça sera votre agenda et vous allez le personnaliser jusqu'au bout. Donc un petit aimant qui fait que notre page reste bien fermée et que nos volets ici vont pas s'ouvrir ou se froisser. Tout reste bien enfermé dans son compartiment. Donc là encore, hein, vous pouvez constater qu'on a beaucoup de place. Ici, nous avons une étiquette, de la planche d'étiquette. Voilà, un très beau papier de fond bleu. Le livret semaine. Une belle découpe de papier ici de la collection. Noter hein, les petites fausses coutures, voilà. Et ce papier, même moutarde, qui ne choque pas. Alors j'ai repris à chaque fois exactement la même disposition ici pour qu'on ne soit pas gêné hein, de mois en mois, que ça reprenne la même organisation, qu'on ne soit pas en train de chercher où écrire nos rendez-vous, nos prises de notes, etc. Alors ici, une magnifique montgolfière, donc c'est les chipboards hein, de la collection, ils sont très très beaux. Un bouton en carton. Voilà. Ici, j'ai recollé une étiquette, une petite roue. J'avais fait des lignes avec mon encre. Jolie pochette. Alors, cette fois-là, j'avais repris la tâche parisienne. Je trouve sympa de varier aussi l'installation là. Ça change pas l'utilisation, mais au moins ça change le décor. Le tampon à pois qui était fourni dans votre box du mois d'août, que j'avais déjà utilisé sur les pages pochettes devant. Et là encore, voilà, les MapMonde, les montgolfières, on est dans les airs ici, pour ce mois de janvier 2015. Et puis on tourne. Et là, on a donc de quoi noter peut-être ce qu'on aura eu pour la Saint-Valentin, puisque nous sommes en février. Mon bouton s'est un peu décalé, mais là, il est collé, donc si je l'enlève, je vais arracher. Ici, voilà, une étiquette, des coupes de papier, toujours ma page pour stocker, enfin, caler ici des petits papiers pas trop épais et puis les pochettes pour les choses un petit peu plus volumineuses. Toujours nos 4 semaines en livret. Voilà, ici j'ai fait un petit peu de résiste, hein, vous voyez, de la poudre à embosser et de l'encre distress après. J'insiste, toutes les étapes techniques,
tout de toute façon. Ce qui est compliqué et pas compliqué, je l'ai tout mis dans la vidéo, puisque selon votre habitude de faire du scrap, ben vous n'avez pas forcément les mêmes connaissances. Donc j'ai tout expliqué, il y a des choses qui vous paraîtront très simples à vous les habituer. Et puis par contre, ben quand vous êtes débutante, vous êtes bien contente de trouver ces petites astuces. Donc j'ai vraiment tout inscrit dans le document, il n'y a rien que vous ne saurez pas faire. Et si c'était le cas, bien sûr, vous me contacteriez et je vous guiderai. Donc, oh, alors ce papier-là, imitation bois, voilà, c'est tout simplement fantastique. Il n'y a rien à faire qu'à couper à la bonne taille et à coller. Voilà, c'est tout. C'est très très confortable de travailler avec de si jolis papiers. Donc ici, nous avons une étiquette représentant cette jolie dame qui porte ce bustier bleu que nous avons sur la couverture. Une roue, toujours pour rappeler le temps qui passe. Voilà, je choisis ici une attache parisienne qui rappelle les lettres qui sont sur le papier. Un peu de résiste encore sur mon papier là. Voilà. Et donc ce papier là, bon voilà, une petite astuce comme ça. Je l'avais coupé trop court, une erreur hein, de coupe avec le massicot. Donc j'ai rajouté une petite bande en bas. Voilà, du coup, même si je dis pas que c'était une erreur de coupe, ça ne se voit pas. C'est très joli. Et puis je n'ai pas gâché ma feuille de papier, j'ai pu l'utiliser quand même. Voici pour mars. Et donc toujours de la place au milieu, on a de la place pour mettre les photos, toujours je rappelle. Hop. Donc cette belle dame qu'on avait sur l'étiquette du mois précédent, nous la retrouvons sur le grand fond ici, en noir et blanc, c'est... Voilà, c'est classe quoi, c'est joli. La petite découpe de papier, l'étiquette de la planche d'étiquette. Les trucs à faire absolument. Tiens, je vous mettrai aussi une fiche idée recettes dans le PDF, comme ça quand vous trouvez une recette super, une recette qui vous plaît beaucoup, d'ailleurs vous allez en trouver forcément puisque vous avez certainement vu le blog des gourmandises d'Armel, dont je suis dorénavant partenaire, et Armel nous présente sans arrêt des recettes toutes plus appétissantes les unes que les autres. Donc évidemment, on va avoir plein de petites fiches recettes aussi à mettre là-dedans et des photos de nos plus jolis gâteaux à mettre pour nous souvenir que nous les avons mangés et que nous les avons aimés. Donc nous aurons aussi un compartiment fiches recettes. Voilà. Et voilà, toujours ces papiers, donc noir et blanc. Alors j'utilise une page pour faire un mois et évidemment j'utilise les papiers recto verso. Voilà. Hop. Donc on passe au mois de mai. Au mois de mai, j'ai utilisé une très jolie chipboard, donc présent dans la planche de chipboard, c'est la planche de 4, qui rappelle le temps qui passe, qui rappelle les roues qui sont là, donc ça permettait d'égayer un peu le haut de page, ça donne aussi du volume. Voilà, donc nos 4 semaines, toujours un peu de résiste ici sur mes papiers, les trucs à faire, la petite découpe de papier que j'ai collée là. Voilà. Regardez comme ce papier est beau, sans rire, vous n'avez rien à faire du tout, les bannières sont déjà là, il est vraiment magnifique. Enfin, voilà, vraiment cette collection nous aide énormément dans ce projet parce que quand le papier est beau quand même, la moitié du travail est fait. Voilà, donc on tourne, toujours notre espace large pour mettre... Et vous voyez toujours notre album qui tient, bon pas complètement à plat bien sûr, pas naturellement, mais si je force là, hop, je peux écrire, je suis à plat, il n'y a pas de souci. C'est suffisamment souple pour être utilisable malgré sa taille. Et ça, je vous assure que c'est important, parce que ça n'est pas si simple à faire, si on ne vous explique pas en tout cas. Donc voilà, encore une fois, les livrets semaines, les cartes recollées dessus, donc de la collection de papier, découpe de papier pour ça, feuilles, planches d'étiquettes pour ça, voilà. Ici, nous avons dans les découpes de papier une magnifique chaise roulante. Donc c'est un fauteuil roulant avec une ombrelle ancien. Et enfin voilà, ça fait presque penser à un fauteuil de machine à faire remonter le temps ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment très joli. Alors j'adore ce bleu et pourtant je ne suis pas fan du bleu, mais celui-là, il est vraiment très beau. Il faut dire que le bleu s'associe très très bien avec le marron que j'avais choisi ici. Enfin, c'est très très chouette. Hein. Franchement, voilà. Ça, c'est une étiquette, des planches d'étiquettes. Voilà.
Ici, j'ai rien voulu coller parce que c'est j'aime bien aussi un peu de simplicité. Ce papier était clair, ça éclaircit un peu l'ensemble. Ici, nous avons la silhouette de la geisha qui est représentée sur la page de derrière. Voilà, ici elle est en couleur. Ici, elle est simplement dessinée, donc j'ai pas voulu la cacher. Même si c'est un rappel discret, ça compte. Voilà. Ici, une étiquette aussi de la planche d'étiquette que j'ai recollée de ce côté-ci. Voilà, ce joli papier où du coup j'ai utilisé toujours le même côté. Je l'ai trouvé. Je préférais vraiment ce côté-là, donc j'ai utilisé seulement celui-ci. Vous voyez dans le bas à chaque fois un petit rappel de couleur qui rappelle les pages précédentes, enfin voilà, qui permet qu'on ne soit pas seulement dans un univers à chaque mois et qui fait des petites touches de rappel des autres décors qu'on a pu avoir. Voilà, et donc pour août, j'ai donc la geisha dont je vous ai parlé pour la page de juillet. On voyait sa silhouette ici, on voit vraiment la geisha dessinée. J'ai mon joli papier imitation bois, voilà, peint en blanc, enfin, avec des touches de bleu dans les coins. Ici, un cœur avec une serrure. Le cœur rempli d'engrenage pour le temps qui passe, bien sûr, la serrure. Ici, le magnifique corset en découpe de papier qui rappelle la couverture de devant. Et de ce côté-ci, la magnifique montgolfière qui a été déjà rappelée en chipboard aussi sur les pages précédentes. Voilà. C'est vraiment très joli. Une petite étiquette et puis du papier bleu, quoi. Bien sûr, la serrure ici, c'est le même motif que le chipboard là. Et ce papier bleu, bien sûr, pour août, je ne pouvais pas faire autrement pour rappeler la mer, les vacances et mettre en évidence une photo qui serait prise évidemment dans cette période-là. Voilà, et pour finir sur la couverture du fond, j'ai récupéré des chutes en fait des noteworksheets, des choses qui ne sont pas forcément prévues pour être utilisées, mais je les ai récupérées, recollées sur du papier pour pouvoir faire des petits cadres photos que j'ai placés comme ça sur une attache parisienne. Et ces deux cadres photos cachent encore une petite pochette. Si on voulait en recaser d'autres, on pourrait. Et pour mettre les photos, tout simplement, on enlève l'attache parisienne. Ici, ce n'est pas collé en haut, ni ici, ni là. Donc, on glisse la photo à l'intérieur, on remet l'attache parisienne et c'est bon. Donc, on peut même ne pas coller la photo. Voilà. Donc, cet album est vraiment fait pour servir, cet agenda. Alors, je vais préciser également qu'il est reconductible d'année en année, puisque là, je vous ai mis dans vos fichiers PDF. Les planches à imprimer de septembre 2014 jusqu'à décembre 2015, et que sur simple demande, bien sûr, je vous referai les suivantes pour les années prochaines si vous souhaitez réutiliser le même, si vous voulez réutiliser votre tuto, et voilà. Donc vous pourrez également réutiliser la même structure d'album en ne changeant que ça et les fiches à l'intérieur, donc il pourra vous faire 2 ans de suite sans problème. Cet album, c'est quelque chose bon, qui est très bien en agenda, je vous ai dit tout à l'heure, qui peut servir en album de naissance également, il peut servir à plein d'occasions particulières, il peut également, étant donné qu'il contient tout le matériel nécessaire, il peut également être offert sous forme de cadeau. Voilà, donc maintenant on va passer à ce qui est compris dans votre tout en boîte. Et vous allez voir qu'il y a 2 options disponibles. Et voilà, puisque j'ai voulu que tous les budgets puissent s'y retrouver. Donc vous allez avoir une option de tout en boîte avec des cartons, de la toile de reliure, des papiers, l'élastique, œillets, explications. Donc ça sera la tout en boîte basique. Et vous allez avoir une toute en boîte, je ne sais pas comment je vais l'appeler, une toute en boîte luxe ou une toute en boîte complète, enfin bref, où par contre vous aurez également les attaches parisiennes, les chipboards, les découpes de papier. Donc, je vous montre un petit peu tout ce qui est présent dans la toute en boîte. Alors d'abord, dans toutes les toutes en boîte, basique ou luxe, vous aurez la planche de tampon. Ici, vous aurez la toile de reliure. C'est pas la bonne taille, hein, ça, mais c'est pour vous montrer. Parce que vous allez pouvoir recouvrir tout votre album avec, de façon à ce qu'il ne puisse pas s'abîmer. Vous voyez ici dans les coins, c'est bien de la toile de reliure, ça ne peut pas s'user, il n'y a pas de problème. Donc vous aurez de la toile de reliure en quantité suffisante, bien sûr. Vous aurez les papiers de la collection. Donc bien sûr, en quantité suffisante, je n'ai plus les chiffres en tête là pour le coup, mais voilà, les papiers de la collection pour tous les mois, les pochettes, voilà, pouvoir décorer tout votre album. Et les 2 planches d'étiquettes. Vous aurez donc du papier faux uni, bob uni aussi, tout est bob uni dans cette boîte. Voilà, à poids, donc vous l'avez vu dans mon album. Vous aurez du papier marron
pour pouvoir faire toutes les petites bandes, vous avez vu les bordures, les petits fanions, enfin voilà, vous aurez du papier marron pour pouvoir faire tout ça, mine de rien ça représente quand même de la quantité. Vous aurez bien sûr tout le papier uni qui vous permet de faire vos bases de pages, les enveloppes, donc de faire ici toute la construction des pages, les enveloppes ici, les volets ici, puisque bien sûr on a du papier beige qu'on a rematé avec du papier à motif, donc voilà. Vous avez aussi le papier nécessaire pour faire bien sûr vos pochettes, de ce côté-ci. Aïe, si je ne referme pas dans le bon ordre, ça ne va plus. Donc voilà, tout ce que vous aurez donc, dans la tout en boîte de base, vous aurez donc voilà, ce que je viens de vous dire. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que tout le descriptif de la tout en boîte va se retrouver sur la fiche produit, sur le site. Donc quand vous allez l'acheter, vous pourrez consulter la description précise de votre tout en boîte avec votre option et vous saurez ce qu'il y aura dans votre colis. Hein. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et puis quand vous choisissez l'option luxe, eh bien, vous avez en plus les découpes de papier, les gros chipboards, les attaches parisiennes et les boutons carton qui viendront donc s'ajouter. Le fait d'avoir ça, par contre, ça vous permet de faire exactement le même que le mien, parce que moi, je vais utiliser l'intégralité de ce que j'avais. Vous voyez ici, il me reste quelques boutons, enfin, donc il en reste 5. Et dans les découpes de papier, il en reste une que je trouvais vraiment pas jolie. Il me reste deux morceaux, mais que je vais utiliser. Hein. Je vais trouver de la place, bien sûr, pour elle. Il me reste un petit peu d'attache parisienne. Voilà, ça me servira pour d'autres projets, sans souci. Voilà pour cette tout en boîte. J'espère que ça vous plaît, que ça vous botte, que vous allez avoir envie de le faire. Je vais peut-être le présenter également, le proposer également dans la collection de papier Primrose, puisque a priori pour l'instant j'ai peut-être de quoi encore en faire une ou deux tout en boîte en Primrose, voilà, pour ce modèle. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, posez-moi-les, je vous répondrai. Donc là, je vous l'ai présenté, je vous mets la fiche produit sur le site. Et les envois des tout en boîte agenda donc commenceront la semaine prochaine parce que c'est le week-end du 15 août et qu'exceptionnellement le magasin sera fermé ce samedi et mardi 19 août. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.